Mesdames et messieurs, bagayou pas clair pour premier ministre haïtien, premier ministre de facto Ariel Henry, CARICOM mandé Ariel Henry la guépiel nan moment n'a parlé là. Mesdames et messieurs, comme nous connaît Ariel Henry pendant pays a, eh bien t'assemblée Ariel Henry après retourner en Haïti en tant que un simple citoyen mais pas en tant que premier ministre. Et Jean Bagay la a déroulé dans CARICOM nan moment n'a parlé là. Rete là tout détail yo a vini en dedans vidéo d'information ça. Il y a Pierre Espérance lui-même qui vide vente li nan dossier assassinat président Jovenel Moïse, comme quoi li vini avec toute preuve que Léon Charles c'est un complice nan dossier assassinat ancien chef l'État haïtien Jovenel Moïse. Eh bien, mesdames et messieurs, tout détail ça yo en dedans vidéo d'information ça. Pas oublier toujours dit nous, c'est toujours yon maximum de partage, yon maximum de commentaires, yon maximum de like. Eh bien, mesdames et messieurs, n'a pas rentré tout de suite dans maman Kouzia. Gen Ariel Henry qui en grand difficulté dans moment qui par contre qui s'est pour rele après qui CARICOM fin prend décision pour mandé PM Ariel Henry démissionner tout de suite dans tête pays a parce que selon dirigeant CARICOM yo Ariel Henry a fait pays a entrer dans l'abîme plus a effondré pays a plus et Ariel Henry pa gen aucun volonté pour retirer pays d'Haïti dans Italie jodia. Ariel Henry pa gen aucun volonté pour renouveler institution yo qui fin craser et bien CARICOM dit c'est assez et li lè pour Ariel Henry maré paquet li pour quitter pays a. Donc moi gen somme gen image tout a vini mais en attendant on parler des dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Il y a Pierre Espérance nous connaît qui c'est directeur RNDDH et bien qui vide vente li concernant même dossier assassinat ancien chef d'état haïtien Jovenel Moïse. Côté Pierre Espérance fait qu'on est Léon Charles qui était DGPNH là nan époque yo te carabinier Jovenel Moïse. Et bien Léon Charles pas innocent dans ça qui t'est passé jour qui était 7 juillet 2021. Et bien mesdames et messieurs, on écouter ça qui a passé Ariel Henry dans CARICOM nan moment n'a parlé là après n'a attendé un extrait dans une interview Pierre Espérance Fink à côté Lyon Journal haïtien dans pays d'Haïti n'a retourné. Dans CARICOM causé a pas bien tombé pour monsieur. Et bien oui, dans CARICOM causé a pas bien tombé du tout pour monsieur. Monsieur m'a parlé là, c'est monsieur Ariel Henry. Et bien monsieur Ariel Henry qui lui-même dans CARICOM dans cadre communauté Caraïbe là, côté la partie dans 46e conférence qui a fait dans cadre CARICOM là. Et bien dossier a pas bien tombé pour lui. Et monsieur Ariel Henry lui-même qui c'est homme d'état ici ça, lui-même qui fait en novembre 49, oui, qui lui-même a dirigé pays à d'une main de fer pratiquement là. Et bien, premier ministre Antigua et Barouda, monte volume nan. Et c'est premier ministre qui sorti aller dans la presse directement pour aller monter volume nan, pour aller bas explication, pour aller expliquer en fait réalité gain sur Haïti. Alors, réunion, c'est ça, oui, l'on réunion, selon lui-même, donc qui finit, qui mal fini. Ah oui, ça a été le bas bien fini, le bas fini de façon pâle. Donc, lui-même lui dit réunion, donc mal fini. Et c'est ça, donc, il va aller. Donc, l'autant de ça, ça même, c'est mode réalité, ça, yo. Ou gagne en même. Alors, monsieur Ariel Henry, lui-même, lui, il croit que le monde l'a fonctionné en vase clos. C'est-à-dire, moun pa konnen sa kap regle, moun pa konnen sa kap fait. Alors, que moun konnen tout sa kap regle sous la terre. Tout sa kap regle sous la terre, le monde entier konnen. Et le monde entier était informé de sa kap rete. Alors, premier ministre Antigua, son premier ministre de gauche, c'est parti travailliste. Alors, monsieur qui gagne tendance de gauche, eh bien, monsieur Zamam, al précise bah la presse ça que t'as discuté en dedans caille. Il al précise bah la presse ça que t'as dit en dedans. M'espérer nous comprendre et m'espérer nous tendre. Alors Antigua, son petit pays tout petit qui gagne dans Caraïbes là, l'entendez a parlé de Antigua et Barbuda. Mais dans CARICOM donc un gros chef donc qui mandé que Ariel Henry quitte pouvoir et c'est Ariel Henry bloqué. Oui, qui bloqué situation. Alors CARICOM non, c'est groupe ça qui réunit 14 états membres. Alors 15 pays, alors pas 15 pays, on a dit 15 membres
et 14 là d'ailleurs c'est des États et yon là d'ailleurs sont dépendance. Et bien, premier ministre Antigua et Barbuda, que relé Gaston Brown, et bien, monsieur déclaré que leader par intérim pays d'Haïti à Ariel Henry, que monsieur t'a dû retirer tête sous pouvoir pour le permettre de gagner une transition politique dans le pays, qui a fait face avec une grave crise politique, et que démission Ariel Henry symbolisait donc solution à crise là. Alors, Brown, comme Henry, et bien, il fait partie de dirigeants communauté Caraïbes là, qui a participé dans le 46e sommet ça pour régler donc organisation a fait et organisation lui-même l'a réfléchi en pile sur ça concerné pays d'Haïti. C'est-à-dire l'a regardé ça même pour voir comment Haïti soit ici après ces jeudi hein que États-Unis te voyé madame ça qui c'est madame Thomas Lynn Greenfield qui c'est ambassadrice États-Unis Nations Unies vient participer dans réunion. Alors après réunion ont été fini. Eh bien, c'est monsieur qui est sorti donc en match sommaire pour t'aller parler avec journaliste qui présent. Pour aller dire journaliste que Ariel Henry fait partie des problèmes qui y a en Haïti. Il expliquait que yo même dans Antigua et Barbuda par exemple, yo voulait que Ariel Henry organise les hommes pour transmettre pouvoir de manière honnête à Ariel Henry à bêtiser avec Garay Sirier. Et il précisait en fait, et c'est monsieur qui dit moi que le premier ministre Ariel Henry n'a pratiquement aucune légitimité. Il dit donc Ariel Henry t'est conclu accord politique quand elle te promet pour le rester sous pouvoir et pour l'organiser élection les situations sécurité pays a permettre ça. Et bien il dit donc si monsieur donc c'est réellement président par intérim, il va si poser des problèmes pour te capable partager pouvoir avec l'autre monde l'autre acteur politique pour le défonctionner. Donc pas oublier ça qui passé hein, c'est que monsieur ça même qui te vient en Haïti qui c'est eux-mêmes des premiers ministres dans zone là qui ont été mandatés pour premier ministre capable organiser situation avec Ariel Henry pour Ariel Henry qu'a dit aux hommes qui gens là pour organiser avec l'autre camp et bien monsieur ça a eu mauvais rapport pour Ariel Henry. Il a expliqué en fait que Ariel Henry pas de bonne foi et c'est le cas par exemple de premier ministre ça qui était parti ça les GPE a GPE qui c'est groupe facilitateur ça les médiateurs car il comme dévoyé qui gagne là derrière au père Christi et bien ancien premier ministre lui-même Kenny Anthony. Alors tout premier ministre ça eux-mêmes yo était là et donc yo était fait partie de mission que Caraïbes te voyé en Haïti CARICOM te voyé ça aurait les GPE hein, c'est-à-dire groupe des personnalités éminentes, c'est-à-dire des monde qui gagne signati. Alors monsieur c'est des anciens premier ministre eh. Ariel Henry t'es un petit Jean Malaké yo plus ou moins parce que Ariel Henry pas de vlais en membre Alchita pour négocier de bonne foi avec équipe Montana. Non, Ariel Henry pas de vouloir faire ça de bonne foi pour la négocier avec équipe Montana. Selon sa journal jamaïcain Jamaica Gleaner fait qu'on est. Et bien monsieur ça y a le bail mauvais rapport et mauvais rapport elle tomber dans des oreilles qui attendent le fois ça. Alors ça m'a voulu dire que toute carie comme dans la guerre Ariel Henry. Mais ça veut dire qu'il y a des voix discordantes qui a dit en même temps Ariel Henry c'est problème dans Ariel Henry et nous connaît Ariel Henry c'est problème dans Ariel Henry fait partie de problème non. Ariel Henry a tout pouvoir dans main pour le faire accord, mais Ariel Henry pas fait accord. Donc Ariel Henry pas de gagner aucun problème pour le jouer accord si c'est vraiment son vrai premier ministre. Et le premier ministre ça lui-même qui présent dans Georgetown dans 46e sommet CARICOM non. Et premier ministre prend dans 3 rois prend dans 4 rois parce que justement moun sa yo même, yo relé en moi, yo dit attendez, PM n'a pas fonctionné bien. Alors premier ministre Brown tout, lui-même lui tout monté volume la France, lui dit la France qui lui même gon rôle historique en Haïti et on héritage, c'est-à-dire héritage colonial là, crasé brisé le quitté d'elle, lui pas comprendre comment faire la France c'est ça c'est la France a bail tout simplement, il pas comprendre comment la France c'est ça c'est la France a bail. Alors pour ça m'il poser une question ça CARICOM non. Alors CARICOM non c'est communauté des États de la Caraïbe. C'est-à-dire c'est groupe pays dans zone non qui même réunit nos associations sous-régionales. Et c'est comme ça tout yo même yo va l'organiser yo dans cadre association régionale ça pour yo faire des activités qui liées avec l'autre bagaille que politique notamment yo va gagner un marché commun de point de vue économique. Alors pays CARICOM yo c'est 14 pays plus 1 dépendance britannique ça fait 15. Alors gagner des 5 autres partenaires qui ont même des statuts observateurs là caillou. Et ben pays même CARICOM yo t'a dit des pays tant que Antigua et Barbuda, des pays tant que Barbade, des pays tant que Bahamas, des pays tant que Belize, des pays tant que la Dominique, des pays tant que Grenade, des pays tant que Guyana,
des pays tant pour Haïti, des pays tant pour Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Suriname et puis Trinidad et Tobago. Et bien c'est eux-mêmes qui réunis dans cadre CARICOM là, et c'est eux-mêmes qui présent dans cadre sommet ça. M'a précisé que États-Unis voient ambassade de la Nations Unies pour venir parler avec yo. Et je dis à toute réunion t'est consacrée à Haïti, alors réunion qui fait en huis clos. Ça crée la huis clos à huis clos, ça a dit en porte fermée pour moun pa konnen. Ça a dit premier ministre Brown c'est sorti d'ailleurs là l'informer la presse. Sous sa rap discuter en dedans, il parle lui-même de sa relon discussion franche. L'autant de moun utilise mot qui relè discussion franche là, mot discussion franche là veut dire ça veut dire. Et bien mot discussion franche là veut dire zanmanm, moun yo yo kwè donc que premier ministre Ariel Henry, et bien oui, l'autant de y a parlé de discussion franche, yo dit donc discussion a été houleuse. De bout de y a dou discussion franche, discussion a été houleuse. Alors qu'on y a est-ce que premier ministre Ariel Henry a joué tout sous ses carrières comme non, mais certainement non. Parce que gen moun dok nan CARICOM nan, eh ben oui qui expliquait que même yo pa ka deal avec Ariel Henry plus ou moins, parce que Ariel Henry c'est problème nan lié. Ariel Henry fait partie des problèmes nan, l'o fait partie des problèmes nan zanmanm. Eh ben moun ap retann zanmanm que ou lagué pyo, moun ap retann ko démissionner, parce que justement ou fait partie de problème nan. Alors Ariel Henry pa oublier ses preuves mauvaise foi que le te bay la. Ariel Henry te bay une vraie preuve de mauvaise foi lorsque premier ministre Ariel Henry t'es décidé lui-même humilié premier ministre Christie l'autre nèg qui t'est venu yo nan qui ça s'est humilié yo. Ariel Henry pa vle vinn chita nan réunion, l'autre moun yo di on va négocier sou pa vinn chita. Kounya Ariel Henry vinn chita, l pa vle parler, ça dit Ariel Henry vinn portron nèg qui ridicule. Et ben nèg tankou premier ministre Perry Christie, premier ministre Bruce Golding, premier ministre Kenny Anthony, yo di Ariel Henry son nèg k'ap fè ou perdi temps, parce yo vinn ici Ariel Henry vinn dépanner. Là moun nan vin faire médiateur, vin donner discussion avec madame ou parrain de mariage là. Ou pa ka di a m pa chita parler madame moi, depuis parrain à marraine vini, ou obligé chita parler avec madame ou. Si m gen problème madame moi, mari et comment les parrain moi marraine moi vini, m pa ka faire border bon la kay la mrete. Bon là ou ba la m chita même côté madame nan, et puis kou di a quoi ou vini pour me dire m pa parler madame nan. M vin portron nèg qui sont vraiment imbéciles. Et là m di imbécile là, imbécile de première catégorie. C'est ça ou le on vrai imbécile de première catégorie. Donc Ariel Henry fait ridicule là, le m'a précisé pour moun ki la konnen. Et sous Doris Ka k'ap lagye étoile en bas live la m'salye, bat bravo pour moun k'ap bay étoile yo s'il vous plaît. Et bien sous Doris Ka, Ariel Henry, c'est lui même qui t'est pratiquement invité CARICOM et c'est pour lui CARICOM t'est plus vini. CARICOM t'est un gens en faveur Ariel Henry, oui. CARICOM pas en faveur Montana, en faveur Claude Joseph, non. Il pas en faveur mais là seul temps plus en faveur Ariel Henry. Donc Ariel Henry malgré CARICOM nan favel, CARICOM nan vini plusieurs fois déjà. Gon négociation qu'elle fait Jamaïque, ou voye moun la Jamaïque. Mais quand y a si l'autre acteur dit moun ki la yo yo pa autoritaire, yo pa gen autorité pour yo décider, yo pa autorité décisionnaire, yo pa ka décisionner. Et ben quand y a c'est vous pour venir, quand y a si on mande vini, nous pa ka faire intéressante vinn, je ne pas oublier bureau Ariel Henry sous boudon dans Delma 60 dans kafou boudon Montana après non 5 ou 6 kafou après côté Ariel Henry aller, oui. Ça dit Ariel Henry pour le sortir dans bureau pour aller dans Montana dans Jean machine ça yo couri son bagay 5-6 minutes que Ariel Henry a fait pour le river dans Montana. Et ben kouya monsieur ça ou bay rapport ça, il rapport ça qu'on elle servi contre Ariel Henry tout aux États-Unis. Et ben concerne le pays dans CARICOM. Nan qui dit non, on pas comprendre. Ariel Henry prend nous pour macaque. Ariel Henry a joué avec nous. Ariel Henry prend nous pour macaque. Ariel Henry a joué avec nous et de fait, on capable confirmer vrai que c'est joué que Ariel Henry a joué avec Mounio. Alors Ariel Henry en Haïti nous connaît le gros statut pas sérieux. Mais au-delà de statut pas sérieux et sous Doris Ka capable la étoile en bas live là. Ariel Henry, tout pas gen légitimité. Gonseri de bordé, on moun café, les moun nan gen légitimité. Mais si on son moun ki pa gen légitimité, gonseri de bordé ou pa ka fè zanmanm, parce ou pa gen légitimité pour faire bordé sa yo. Et le premier ministre dit discussion de gen dans son discussion houleuse. C'est la discussion est sous Doris Ka qui fait moun fâché. Et ben gon certain nombre de dirigeants CARICOM nan tout qui t'ai rencontré depuis hier, les Ariel Henry fait crivé a avec premier ministre Ariel Henry et ou te gen réunion toi avec des représentants pays Canada, pays la France, pays États-Unis pour regarder comment ou ka financer opération force multinationale là en Haïti. Alors en pile dans pays parler, ou parler de soutien à peu pas ici, pas de soutien avec Ariel Henry. Alors Ariel Henry il est la partie. Nous connaissons bagaille là déjà. Équipe Ariel Henry a sous Doris Ka. Yo présenter bagaille là comme l'alpha et l'oméga, comme quoi tout blab soutenir yo, c'est plus compliqué que ça. D'ailleurs pour dossier Kenya, pour monde qui pas connaît pour dossier Kenya, m'a précisé pour nous Kenya Ariel Henry dit le bralé, c'est parce que il y a une gangrène de l'opéra. Pour moun ki pa konnen sa kre les gangrène de l'opéra,
bon me dit nous sacré les gangrène de l'opéra. Gangrène de l'opéra, eh bien monsieur Ariel Henry zanmam, il se trouve que monsieur Ariel Henry trouvel non situation zanmam qui extrêmement compliquée, qui extrêmement difficile. L'autre a parlé de l'opéra pays Kenya pas joindre zanmam, pas de vle négocier avec Ariel Henry dans vidéo conférence, yo anil en vidéo conférence. Donc Ariel Henry bralé pour le finaliser dossier. Pays Kenya pas tellement content. Les nèg yo a bonne nouvelle en Haïti, yo pas bonne nouvelle là dans carré jazz là normal. Yo bon mousso nouvelle, yo pas bon toute nouvelle là. Ariel Henry zanmam, li 13 ans difficulté plus ou moins par rapport ou attendez James Junior Jean-Louis avec en pile dossier autant de là zanmam. C'est-à-dire Mounio, yo très très énervé contre Ariel Henry. Non, yo pas content James Junior Jean-Louis contre Ariel Henry dans Ariel Henry a fonctionné. C'est bon bagaille qui fait qu'il est content zanmam. Donc Ariel Henry gagne un comportement qui pas fait Mounio plaisir. Ariel Henry zanmam te gon comportement là il est séparé. Même les États-Unis monte volume Ariel Henry en pile ces derniers temps en privé. Parce que Ariel Henry pas de partager pouvoir, Ariel Henry prend ses alliés, il prend tout pouvoir net pour lui, Ariel Henry pas qu'à délivrer marchandise là. Ariel Henry pas gain capacité pour te délivrer marchandise là. Par contre, si nous comprenons réalité là, Ariel Henry pas gain capacité pour te délivrer marchandise là. C'est situation ça gain dans pays là. Donc Ariel Henry pas gain capacité donc pour te délivrer marchandise là et sous Doriska. C'est-à-dire blanc qu'on est. Et d'ailleurs pour faire élection, en pile monde par contre ça pour faire élection, ça m'a compris les bagailles pour gagner. Faut qu'on a sentiment classe politique la caïwa parce qu'on va faire élection si classe politique la caïwa pas veut ou pas veut dire la voix. C'est moun qui gagne classe politique la caïlia qui veut dire la vel, c'est moun ça qui a fait élection. Pour faire élection zanmam, faut classe politique la caïwa d'accord dit la voix. Faut classe politique la caïwa bien avoir, faut d'accord fonctionner avoir. Ariel Henry classe politique wa pas d'accord fonctionner avoir zanmam. Et ben ça zanmam fait que élection an, c'est pas une question de Kenya seulement, c'est une question Ariel Henry pas gain moyen pour le faire ça le besoin faire. C'est pas une question de ça seulement. Non, Ariel Henry pas gain moyen pour le faire ça le besoin faire, pas gain moyen politique li. Même j'ai opposition en difficulté pour mettre Ariel Henry à terre, mais Ariel Henry pas avancer ça autour non. Ça dit Ariel Henry zanmam son nèg qui très très limité politiquement. Et d'ailleurs c'est colonel Ariel Henry qui dit journal Le Nouveliste, yo même yo pas en mesi pour yo même confirmer zanmam situation moun kap négocier avec Ariel Henry, yo dit pas vraiment gen moun kap négocier avec Ariel Henry. Donc yo pas en mesi zanmam pour yo confirmer un bagaille comme ça. C'est dans mode réalité ça yo nouye. Donc pouvoir Ariel Henry a, c'est un pouvoir qui extrêmement en difficulté auprès même de partenaires palio. C'est-à-dire même l'autre temps yo besoin vos émissions en Haïti. Yo besoin vos émissions en Haïti pour mission ka vinn bay sécurité en Haïti. Yo pas vraiment besoin vos émissions pour mission vinn protéger pouvoir Ariel Henry. Non, c'est pas ça exclusif là. Mais nèg Ariel Henry yo fait gang yo monter du fien dans pays a. Yo fait gang yo presque bouler pays a, craser tout pays a. Comme quoi zanmam que les blancs vini, blanc vini pour blanc bay pour blanc protéger pouvoir yo. Ariel Henry Kenya gen doit venir pour moi faire aller retour oui. Kenya a faire aller ou faire retour. Parce que pas li ba évident que moun yo besoin zanmam. Li ba évident que moun yo vle servir avou. Ariel Henry zanmam a bay mai. Ariel Henry a bay mai. C'est dans mode réalité ça oui Ariel Henry a bay mai. Et ben zanmam moi vle di nou. Nan Caricom nan journée jodi a bet les fortunés. Gen premier ministre Antigua qui au moins yon moun qui c'est premier ministre pays Antigua qui c'est membre Caricom nan qui monte volume Ariel Henry et qui vinn di zanmam Ariel Henry pa yon aucune légitimité et Ariel Henry c'est lui même qui vrai problème pays d'Haïti. Précisez pour nous. Ariel Henry pa yon aucune légitimité et Ariel Henry c'est lui même qui vrai problème original pays d'Haïti. Il invité pour Ariel Henry retirer, il a dit pour Ariel Henry démissionner, pour Ariel Henry permettre une transition politique et pour Ariel Henry faciliter donc une solution à la crise dans le pays d'Haïti. Par pour Premier ministre Brown, je parle de Premier ministre Gaston Brown, eh bien Ariel Henry, c'est un vrai problème que lié en Haïti, il fait partie du problème. Non. Nous croyons, selon ça, dit la presse, que Ariel Henry doit démissionner, que Ariel Henry doit retirer col, que Ariel Henry doit aller. Ça dit eux-mêmes, dans Antigua et Barbuda plus ou moins. Yo gete fait chapeau yo pour yo fini avec personnage ça qui relie Ariel Henry a. Donc Ariel Henry a pour yo son cas perdu, son cas fini lié. Ça dit pour yo même Ariel Henry a même son cas expiré lié. Pour moun qui sorti dans pays Antigua pour Antigua, et ben Ariel Henry a c'est un cas qui expiré lié. Donc yo mandé Ariel Henry pour lagué pied. Donc dans réunion Caricom nan, Bentley Fortuné, Ariel Henry t'al prend belle li. Mais pas gain belle Bentley Fortuné étoile sur les moun a bailler étoile en bas là salut pour moi c'est le bat bravo pour moi et ben Ariel Henry Bentley Fortuné dans cadre Caricom nan et ben Ariel Henry perdu belle li pas gain belle encore dans cause Caricom nan
Ariel Henry pèdi Berlin nan CARICOM, gen de pays nan Caraïbes là, gen de pays nan CARICOM nan qui mande fòk Ariel Henry démissionner, fòk Ariel Henry lage pied. Et pays ça par exemple, li rele Antigua et Barbuda. Est-ce qu'autant de Sacha SA k'ap lage étoile en bas live là? Et ben Antigua et Barbuda mande pour Ariel Henry lage pied, pour Ariel Henry retirer col nan cadre CARICOM nan que Ariel Henry yé. Donc fòk Ariel Henry retirer col, fòk Ariel Henry lage pied. Parce que yo même zanmanm yo bouke avec cause Haïti ya. Parce que Ariel Henry tout pa bay comportement on nèg ki bezwen solution à crise là. Ariel Henry son nèg ki prend tout pouvoir pour lui et qui veut cadenasser tout pouvoir pour lui. Non, yo pa vle zanmanm pour cadenasser tout pouvoir pour ou. Yo vle pour Ariel Henry, te bay pouvoir Ariel Henry pa de partager pouvoir et ben kounya zanmanm yo di ki Ariel Henry ali faire ou de net parce que même yo pa capable avec personnage ça qui son personnage donc nausea bon dans crise là. Donc Ariel Henry représenté pour pays ça yo nan CARICOM notamment Antigua et Barbuda yon problème avec crise politique là donc yo mande que Ariel Henry organise pour la aller en même Ariel Henry qui participe avec une grosse délégation nan CARICOM nan et ensuite il va au Kenya là va faire 8 jours dehors mais pour Kenya Ariel Henry va au Kenya en bel garçon Ariel Henry va au Kenya parce que Kenya t'est annulé yon conférence pour t'est finaliser accord yo t'est doit gagner Haïti ya et ben Kenya arrêté pour compte selon sa média Kenya rapporté Kenya annulé accord que yo t'a doit gagner avec Haïti ya Kenya décidé annuler accord ça Kenya accord net non annuler conférence là ça dit Ariel Henry va aller lui-même pour le mettre bagaille sous les rails c'est peut-être ça Ariel Henry va aller mettre les fortunés donc Ariel Henry va aller en même pour le regarder comment le mettre bagaille sous les rails donc c'est ça que vous gagnez ces circonstances là ça ces nouvelles ça pas quitter mba nous peuple là parce que vous gagnez radio gagnez média pour bailler nouvelles pour yo petite nouvelle pas non c'est ligue bonne nouvelle dans des petits monde et ben dans CARICOM non Ariel Henry passe son bel mauvais moment aujourd'hui là. Oui, Ariel Henry prend un bel mauvais moment aujourd'hui. Il a monté volume, Premier ministre Ariel Henry, dans 4 CARICOM dans Zamam. Oui, Ariel Henry, Zamam, il a monté volume, il a poussé Ariel Henry, bel volume, Zamam, dans 4 CARICOM. CARICOM, non, bagay la va finir dans bon sac là pour Ariel Henry. J'ai Ariel Henry, t'es pensé bagay yot apia, c'est pas qu'on s'allie, Zamam. Non, 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 a ti chaud, Ariel Henry, Zamam, quitte Haïti pour chaud, et bien là, dans CARICOM, non. Et bien, oui, il toujours même même choix. N'importe quoi, Ariel Henry balance l'école. Eh bien, Ariel Henry joue le même mouvement. Yo. N'importe chance en même, n'importe côté. Ariel Henry balance l'école. Ariel, allez lié. Et depuis nous, la télévision nationale, la nouvelle télévision étrangère, il faut nous dire Ariel Henry de parti. Il faut nous dire Ariel Henry must go. Il faut nous répéter Ariel Henry must go. Il faut nous répéter Moyo. Ariel Henry doit aller. Qui Ariel Henry a le fait outre lui. Il faut qu'Ariel Henry aille. Mais c'est comme ça réalité aux hommes faut nous pas appeler nous web télévision nationale yo là télévision internationale yo là bail message là pour Ariel Henry aller qui Ariel Henry aller faire route li pour Ariel Henry aller exportant des bêtes les fortunés qui a plagué étoile en bas live là et ben faut nous bail bon message là pour Ariel Henry aller faire route li parce que nous bouquer avec Ariel Henry zamam nous pas bien à bien avec Ariel Henry fini Ariel Henry expiré Ariel Henry pas bon la bon pour pays encore faut nous passer message ça yo que Ariel Henry aller faire route li Léon Charles joué dans un complot qui débouchait sur l'assassinat de Jovenel Moïse et puis après assassinat. Très bien. Mesdames, oui. Merci. Le 7 juillet, Jovenel mourut dans la nuit 6 pour le 7 juillet. Et 7 juillet, pour qu'on ait un rapport préliminaire juge de paix, et DCPJ fait qu'a commencé et saisi des dossiers donc et c'est au fur et à mesure n'a commencé à comprendre le comportement Léon Charles dans le dossier si cette JI est passé il fait appel à un juge de paix pour faire un constat juge de paix arrivé dans le commissariat Pétionville là depuis 5h35 le matin. C'est dans le début après-midi 7 juillet, Léon Charles réussit à avoir autorisation au JDPA aller dans la résidence Jovenel Moïse. Parce qu'il a fait tout le temps dans le commissariat. L'autre bagaille, il y a un Colombien. Oui, mais Fonti Campé sur ça. Ça n'a pas voulu dire que c'est électoral. Non, je n'ai pas fait. Je bon fait. Je n'ai pas venir. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait le comportement qu'il a dans le dossier. Ok. Quand il y a un Colombien, qui réfugié et avec et Vincent et Solage yo réfugié yo Mon Galvé la police allait monsieur arrivé dans un moment côté que yo décidé rentrer tête yo gien deux colombiens
que yo exécuté yo neutralisé yo maîtrisé yo exécuté yo et c'est Léon Charles qui bail l'autre pour exécuter. Kounye là les autres colombiens yo monsieur Séance. Oui. On dit que c'est Léon Charles qui bail l'autre pour exécuter yo. Oui. L'autre ça écrit ou bien dans téléphone. Non, bien... c'est lui-même qui a commandé l'opération. Il a commandé l'opération, il fait exécuter, c'est lui-même qui a commandé. Parce que songez que Léon Charles Dou, il fait tant dans Pétionville, il va arriver dans la résidence président. Il n'arrive pas sous ça. Non, mais attends, non. Et pour qui ça le fait exécuter de ça, yo, alors que l'autre, il a arrêté yo? Parce que Moun Sayo, c'est une dans Moun, selon enquête de CPJ, c'est. Et monde qui te fait partie du groupe Delta qui te rentré dans chambre président qui exécute président. Donc il fait tuer deux mounsao. Deux mounsao. Ou gen nou yo? Oui, m'pa gen nou avec moi là mais yo dans enquête de CPJ. En avance. Yo dans enquête de CPJ. Ça veut dire que soit il est dans premier rapport partiel de CPJ ou bien nou. Kounye là. Et alors rapport ça te remettre dans début mois d'août 2021. Kounye là, colombien yo avec des haïtiens américains yo yo rend tête yo dans et commissariat Pétionville là le yo rend tête yo gen là-dedans yo joine $40,000 sous yo etc. et puis Pierre Armand Fatican et puis les ou dit $40,000 oui yo joine sous yo oui OK alors ça c'est un colombien yo colombien te joine yo vient l'autre cobri sur l'autre mais puis go cobri te joine et sous un colombien te gagne $40,000 yo colombien. Kounye là, le et des haïtiens américains Vincent et Solage et Léon Charles prend yo, li rentre dans bureau commissaire, li fait environ 1 heure et demie à faire réunion avec yo, à parler avec yo. Environ 1 heure et demie à font tête à tête avec yo, Vincent et Solage. Kounye là, le ou rive dans et DCPJ qui commence à faire enquête li. Enquêteurs, il y a plusieurs enquêteurs, ils ont mobilisé, ils ont environ 12 et chaque travail par eux qui a fait, peut-être, je pense qu'ils ont été regroupés en groupe de 3 ou bien 4. Léon Charles prend commande et enquête là, et il exige DCPJ chaque jour pour Bali un rapport sur les gens qui ont arrêté, qui ont auditionné et sur tout ça. Yo gen comme relevé téléphone et dans cadre enquête ça et c'est ça qui fait que youn nan cerveau et crime nan m'a dit youn là John Joel Joseph qui immédiatement après assassinat té allé cité soleil dans base ti Gabriel et pour raison on l'autre liquider et base et Gabriel Cité Soleil l'aller en pleine l'habiter en pleine qui côté non l'aller non caille en pleine l'aller non caille la pleine il était moi pas contre caille non li on caille qu'il était on caille pas contre caille son caille m'a dit on caille qu'il était la police judiciaire enquête yo joine qui côté monsieur était la police prend disposition pour faire filature un après-midi autour de 6 heures pour y aller arrêter monsieur. Et comme étant donné c'est Léon Charles qui prend commande enquête là et l'est informé de ça, il fait et John Joel Joseph quitter caille là. Et c'est ça qui fait ou ouais que John Joel Joseph il pas arrêté en Haïti, c'est juste Jamaïque là. Donc c'est lui qui facilite non pas les Jamaïcains, non, c'est lui qui facilite quitter caille là qui fait que la police judiciaire et la police pas arrêté. Et Sam Abdoula, c'est auprès de enquête là, des enquêteurs. Et gagne un appareil et Joseph Jout acheté pour et la police là, pour des CPJ. Mais appareil ça, c'est pour aider en pile dans question criminalité. Et son appareil qui a détecté communication monde qui a même et capter et échange moun et communication et qui capable et identifier moun tout dans des zones côté mais c'est moun et capable soit qui
yo suspect qui nan crime et nan sak pa sa nan kidnapping etc. Et appareil ça te commandé sous Joseph Jout li rivé et plusieurs mois avant assassinat. Et enquêteur de CPJ yo et de CPJ mandé appareil là qui pour permettre faciliter enquête là. Léon Charles Kembe appareil là. Li pa jam remettre li bay DCPJ pour capable bouyer pichio et c'est là li quitter la police en novembre 2021 ça après en pile et demande en pile suivi qui fait que li réussit remettre appareil là dans mi-temps et année 2022 et son un appareil qui t'a facilité et enquêter pour être capable et suivre une série de conversations et beaucoup plus rapide que et les aller bon côté compagnie téléphonique qui prend pas de temps pour bail et information. Donc selon vous même appareil ça là toujours connait là. Oui, il remet en 2022, il là, oui. Là. Appareil ça là travaille dans le CPJ. Oui. Au sûr de sortir. Appareil là. Non, moi de sûr. Oui, sûr. OK. Oui, sûr à 100%. Oui, sûr. Très bien. Très mais son appareil qui coûte un bon petit cob qui commandé sous et que monsieur de confisqué pendant longtemps. Li confisqué li, li prend appareil là depuis et l'est venu parce qu'il connaît ça le faire, il connaît un complot contre Jovenel Moïse qui débouché sur qui a assassinat et immédiatement après assassinat, ça t'est dû faire s'il t'est voulu li mien fait sous crime là, c'est remettre appareil là by des CPJ qui pour permettre que mais j'en m'en parler là, c'est comme si c'est seulement Léon Charles qui impliqué dans assassinat. Ah non, souvle nous parler et Wendel m'a parlé. Nous avons fait trois émissions. Valorvle, m'a dit tout ça, m'a connu des enquêtes là. Et m'a dit tout ça, m'a connu. Cependant, il y a des bagailles que je ne connais pas. Il n'y a pas d'enquête là. Parce que souvent, des mobiles criminels, intellectuels, criminels, je ne connais pas. Parce que nous n'avons pas une partie financement. Et c'est la plus grosse faiblesse qui a dans le dossier. Ça. Ok. Nous avons parlé d'ordonnance là. Oui, alors, des enquêtes là qui débouchent sur l'ordonnance. En tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes ça qui a passé, eh bien, Ariel Henry, chaud, net, dans le moment, dans le CARICOM, Pierre Espérance lui-même, il va mettre de l'embouche là, une façon à ce que pour dire qui ça le pensait, qui ça le connaît dans le dossier enquête, cap mené sous assassinat président Jovenel Moïse, côté Pierre Espérance a avili ancien DGPNH là, Léon Charles, et Léon Charles lui-même était déclaré. Dans une émission sur même radio Télémétropole côté Pierre Espérance était toujours dans complot dans gros réunion qu'a fait pour assassiner président Jovenel Moïse. En tout cas mesdames et messieurs, et dossier assassinat président Jovenel Moïse ça c'est un dossier qui gagne un paquet de zone ombre là dans zone d'ombre donc il est temps pour nous connaître qui est-ce qui était intellectuel qui est-ce qui était financé et assassinat président Jovenel Moïse. N'allez à la prochaine pour une autre tranche émission sur même channel ça Messac News, la chaîne qui vous informe en temps réel.